Annulant une soirée de spectacle pour la première fois de son histoire. Puis,
en 11 ans, tous, employeurs, artistes, techniciens, pouvoirs publics, ont fait comme si le monde du spectacle pouvait continuer sans dommage ni crise à être financé par l'UNEDIC, organisme gestionnaire de l'assurance chômage. Ce système autorise, quand ils ne travaillent pas, l'indemnisation des comédiens, metteurs en scène, réalisateurs, producteurs, décorateurs, techniciens du son, de l'éclairage, de la régie, de la coiffure, du maquillage, des costumes, auxquels il faut ajouter les danseurs et chorégraphes, les artistes de la musique et du chant, du cirque, du théâtre de rue et du musical. Quel festival n'a pas eu lieu. Et pourtant, il compte doublement. D'une part, Avignon permet, en servant de tribune spectaculaire, de poser dans l'urgence un problème pas si neuf, l'intermittence du travail d'une grande part des habitués et invités du festival. Le festival s'est transformé en états généraux de la culture. Ces deux éléments, la prise de la rue et la prise de la parole, signent une édition qui est visuellement et oralement très militante, très politique. Car moi aussi, je me sens comme une merde! Comme une merde! Quand je dois accepter de faire de la figuration pourrie à 2 heures de voiture de chez moi, l'essence non payée, toute l'année, quelques heures de plus. Comme une merde, quand je fais des sourires pour espérer trouver un rôle que je ne trouve pas, car c'est toujours trop tard. Comme une merde, quand je fais des ateliers à des gosses qui s'emmerdent et qui considèrent le théâtre comme une bonne raison pour faire péter les cours, même si je sais que j'ai commencé le théâtre comme eux. Comme une merde, quand je suis à découvert au 10e jour du mois, comédien, scénographe, metteur en scène, pédagogue, vacataire, enseignant, intermittent du spectacle et chômeur. Exception nationale en matière de culture. We'll be right back.